singe écureuil, ou Saimiri commun, est un petit singe d'Amazonie. Le singe écureuil commun, Saimiri sureux, est un primate néotropical qui appartient à la famille des Cebida. Comme tous les singes écureuils, il possède une longue queue non préhensile à l'extrémité noire. Le mâle mesure de 25 à 37 cm sans la queue qui fait de 37 à 46 cm. Il pèse de 0,7 à 1,1 kg. La femelle mesure de 23 à 30 cm avec une queue de 37 à 44 cm. Son poids va de 0,5 à 0,75 kg. Le cerveau pèse en moyenne 24,4 g. Le rapport longueur bras-jambe est de 0,791. Ils ont 44 chromosomes. Les singes écureuils forment des groupes plus grands que la plupart des espèces de primates néotropicaux. Des groupes de 25 à 44 individus ont été recensés, avec de grands écarts selon l'habitat dans lequel ils évoluent. Ces groupes se composent de plusieurs mâles et femelles, généralement dans une proportion de 65% de bébés et jeunes adultes, 29% de femmes adultes et 6% de mâles adultes. Lors d'une étude en captivité menée à Bien en Floride, la division des groupes en sous-groupes de mâles et femelles fut établie, en observant une plus forte cohésion chez le groupe des femelles. L'existence de hiérarchies linéaires strictes fut également constatée, au sein du sous-groupe chez les mâles et les femelles, bien que cette hiérarchie soit plus définie chez les mâles. Sa répartition s'étend du centre et nord-est du Brésil jusqu'à l'ouest de la cordillère des Andes au Pérou, en Équateur et en Colombie, en passant par le Venezuela, la Guyane française et le Suriname. Sa population actuelle est inconnue. On trouve cette espèce dans une grande variété d'habitats, même dans les bois dans lesquels l'activité humaine a modifié l'habitat naturel, à condition de disposer d'assez de fruits et d'insectes pour se nourrir. Principalement diurne, ce singe vit en groupes qui, en fonction du milieu, peuvent aller de 10 à 50 individus, constitués de plusieurs mâles et femelles en plus des jeunes exemplaires et des bébés. Il n'est pas très territorial et évite généralement les conflits en présence d'autres groupes. Étant donné sa bonne capacité de survie dans des milieux altérés par l'homme, cette espèce n'est pas menacée, bien que la chasse destinée au marché d'animaux de compagnie, le principal facteur de menace de cette espèce, soit considérable. Des études réalisées auprès de singes Saimiri sureux le décrivent comme une espèce principalement frugivore-insectivore, s'alimentant généralement de fruits, de baies, de noix, de fleurs, de pousses, de graines, de feuilles, de résines, d'insectes, d'araignées et de petits vertébrés, bien que son appareil digestif assez court soit plus adapté à la consommation d'insectes que de plantes. En général, ce singe consomme plus de fruits aux premières heures du jour et plus d'insectes tout au long de la journée. Il consomme toutes sortes de végétaux, fruits, baies, noix, fleurs, bourgeons, feuilles, graines, gommes, beaucoup de petits invertébrés. Il pourrait survivre rien qu'en mangeant des insectes, parfois des mollusques ainsi que des petits vertébrés comme les grenouilles arboricoles. Les baies sont cueillies à l'extrémité des branches. Au sud de la Colombie, gousse de diverses espèces d'Ehinga. La saison des amours marque de nombreux changements. Le plus spectaculaire est l'impressionnante prise de poids des mâles, entre 85 et 222 grammes, soit jusqu'à 30% de surpoids. Peut-être veulent-ils impressionner et mieux contrôler les femelles.
Leur production de testostérone s'accroît fortement. Les mâles de toutes les espèces de Saimiri grossissent avant cette période agitée. En captivité comme dans la nature, avec des variations marquées du surpoids selon les espèces, au sein d'une même espèce et aussi pour un individu d'une année sur l'autre. Une compétition intense s'installe et une hiérarchie s'établit aussi parmi les femelles. Les mâles s'engagent dans des combats fréquents et féroces, exposant leurs organes génitaux pour se défier. Cycle estral, 6 à 25 jours. Un seul nouveau-né de 100 grammes environ vient au monde après 160 jours de gestation en moyenne, souvent en mars ou avril. La femelle donne naissance à un seul petit au terme d'une gestation de 5 mois et demi environ. Durant la période d'accouplement, les mâles ont tendance à accumuler de la graisse, notamment autour des épaules. Les deux premières semaines après la naissance, le bébé singe dort à longueur de journée et s'alimente avec sa mère. Au bout de 2-5 semaines, il commence à se séparer de sa mère et est pris en charge par d'autres membres du groupe. Les jeunes sont sevrés 6 mois après leur naissance. Après la naissance du petit, les femelles rejettent les mâles. La mère élève son jeune sans attention particulière avec le concours d'assistantes, souvent des filles de précédente portée, qui, entre la deuxième et la huitième semaine, aident à son transport et à sa surveillance pendant qu'elle se ravitaille. Le bébé s'accroche à sa fourrure dès la naissance, mais l'agrippement ventral n'est totalement fonctionnel que vers 3 semaines, si bien que la mère doit le soutenir lors des déplacements. Il commence ses explorations vers 1 mois. Se juche sur le dos maternel durant plusieurs mois. Indépendance à 1 an. La maturité sexuelle de l'espèce arrive à 3 ans pour les femelles et 5 ans pour les mâles. Ils ont beaucoup de prédateurs comme les rapaces, aigles, les serpents comme les boas, les petits et grands félins, notamment l'oslo. Ce sont donc des primates constamment en état de veille, surveillant leur environnement avec frénésie. En cas d'alerte, les mâles examinent de plus près la situation tandis que les femelles et les jeunes restent immobiles. Comme animal de compagnie, il est très important de le garder au sec et à la chaleur. Pour le garder comme petit singe domestique, il est aussi important qu'il ne soit pas seul, car il se laisserait mourir d'ennui. Les singes Saimiri vivent jusqu'à 20 ans dans la nature et jusqu'à 30 ans en captivité. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.